Bonjour à tous, comment ça va? Moi je suis un peu en pyjama. Ça nous fait rire. Alors, je mets mon petit tambourin au pied. Bon, j'espère que vous êtes tous en famille. Enfin, en tout cas, même virtuellement parfois. Mais voilà, c'est le petit brunch. Donc, moi je me suis fait plaisir. Je voulais vous montrer ce pain incroyable. Attendez. Ça, c'est assez dingue. Parce que c'est une nouvelle passion, c'est que je fais mon pain. Regardez. Regardez cette miche d'exception. Donc c'est... Oh là, j'ai mis de la farine dans le nez. C'est un pain incroyable. En plus, fait avec une farine très ancienne. Voilà, donc c'est une grande joie de manger du pain, son propre pain. Alors, on va commencer comme ça. Je me cramponne comme une icône à la con, avec un look en aluminium, un minimum, panoplie de mégalop, pas non plus de mélodie. Satan m'a dit je me tire à ton immédiatement, immédiatement. En toucher deux mots. Deux mots à mon ego. Je vais en toucher deux mots. Deux mots à mon ego. Allez, en toucher deux mots. Deux mots à mon ego. Des mois que je pense qu'à moi, ouais. Comme mon nombril tourne de l'œil, le moindre reflet il est pour moi, la moindre flaque c'est pour ma gueule. Je vais en toucher deux mots. Deux mots à mon ego. Je vais en toucher deux. J'ai de la farine sur le nez. Merci Billy. Donc on a la chance, donc déjà bon brunch à tous. On a la chance d'avoir Billy aujourd'hui qui va venir chanter quelques chansons aussi. Et cette chanson Mon Ego, je la dédie à Elodie. Parce que j'ai toujours ces petits mots que je reçois de ma communauté. Et donc je vous fais parfois des petites dédicaces. Donc c'est Elodie qui voulait que je lui chante cette chanson. Et là je vais faire celle-là parce que... Elle coule de source. Ce matin, je lui presse des oranges mécaniquement. Les yeux encore un peu brouillés par le sommeil. Avec ce verre qui ne rime à rien. C'est vrai, ce week-end je suis seul avec moi-même, en tête à tête avec moi-même. Souvent je me tâte pour trouver le thème, en tête à tête avec moi-même. J'ai pas la force de me dire cha. Allez, on se lâche pour un. Aimer pour nous comprendre, oh ouais.
moi-même. En tête à tête avec moi-même, souvent je me tâte pour trouver le thème. En tête à tête avec moi-même, j'ai pas la force de dire je. Alors là, j'ai envie de vous faire une reprise que j'ai faite il y a très longtemps. Ça me fait d'ailleurs penser à un truc. Ça me fait penser aux Vieilles Charrues, à ce festival que j'adore, qui m'ont vraiment soutenu à mes débuts beaucoup. Et ça me fait penser déjà au festival. Alors déjà, je vous raconte la petite anecdote. J'avais fait cette reprise que je vais vous chanter là, Close to Me, une chanson de The Cure. Et donc, je jouais aux Vieilles Charrues ce soir-là. Et j'ai la chance de croiser Robert Smith, le chanteur du groupe, et qui vient me voir chaleureusement pour me dire qu'il aime bien cette reprise. Donc j'ai fait, moi j'adore, puisque je suis très peu anglophone, j'adore franciser les chansons qui m'ont marqué, surtout dans mon adolescence, comme cette chanson. Donc voilà, il était venu avec vraiment chaleureusement me serrer dans les bras et tout ça. On avait passé un moment magnifique au Vieilles Charrues. Ça me fait donc penser au festival. Donc je pense à cet été un peu compromis. Dans les festivals, je pense à tous ces intermittents, tous ces artistes, tous ces techniciens, tous ces gens qui font que les spectacles existent. Parce que c'est vrai qu'on fait pas grand-chose tout seul. On a énormément besoin de tous ces gens. Donc déjà, je pense déjà à mon équipage, à mon équipe que j'aime profondément. Il y a des gens avec qui je travaille depuis plus de 20 ans déjà. Dans cette équipe, je pense à Pierrick, je pense à Defray, je pense à Phil, je pense à mon grand ami Ossine aussi. Je pense à... Pff, la liste est longue. À Sylvain... copain qui est un sublime backliner, je pense aussi à Chris qui est un backliner incroyable aussi, je pense à Ben qui me suit depuis toujours, à Fred, oh là là c'est horrible parce que j'en ai oublié plein, évidemment à Nicolas Ménard, à Nicolas D'Amato qui font le son sur ma tournée là en ce moment, je pense à Olive à l'époque avec qui je travaillais, je pense à avec qui on a commencé, à Toff aussi, enfin bon bref la liste est longue de gens qui font partie de mon histoire. Et je pense à toute mon équipe, vraiment, je les englobe tous. Évidemment, à Jérémy Barg qui fait la lumière incroyablement aussi. Sans parler des producteurs et tout ça. Enfin bon, la liste est longue, mais je pense à tous ces gens parce que c'est vrai que c'est un moment assez troublant puisqu'on est un peu dans le flou. Et donc, je pense à tous les festivals que je ne ferai pas cet été, mais on va se rattraper évidemment prochainement. Je pense à vous tous et à tous les intermittents parce que c'est très important d'être solidaires tous ensemble. Et puis de trouver des solutions avec le temps. Et voilà, je vais vous chanter cette petite chanson. Enfin, cette grande chanson, parce que j'adore cette chanson. Mais j'ai fait une petite reprise qui s'appelle le même titre, d'ailleurs, Close to Me. Ça fait comme à l'artin. J'ai tellement attendu, ça m'a rendu malade. Alors aujourd'hui, sans fin suffit. Je n'ai jamais vu un soir qui soit aussi close to me. Te voir dans le noir, j'aimerais seulement que ça marche. Sentir la peur avant que tu viennes. C'est avec ton nom tout près. Ouvre les yeux et je retiens mon souffle. Ouais, j'entre en... Si j'avais ta confiance, alors ce serait sans danger. Si seulement j'étais sûr, ma tête sur ce mur, un rêve. Tu.
jours sans fin suffit. Je n'ai jamais vu un soir qui soit aussi close to me. Je verrai ton visage, alors ce serait sans danger. Si seulement j'étais sûr, ma tête sur ce mur, un rêve. Ah. Oh. Matelou, Pauline, Laurence, Lucie, comment allez-vous ? À la vôtre ? Ah oui, tiens. Ah, je pouvais pas m'empêcher. Regardez. Ça me vexe. J'ai le complexe du pop-corn. Baby Chicago on. J'ai le complexe du complex. Dès le matin, ça me vexe. J'ai le complexe du pop-corn. Ça, Billy. Baby Chicago on. J'ai le complexe. J'ai le complexe, complexe. J'ai le complexe plus fort, complexe. J'ai le complexe. Ce sera toujours moins bien, toujours moins bien que l'Éric. Ce sera toujours moins bien. Allez ensemble. Toujours moins bien que l'Éric. J'ai le complexe. J'ai le complexe. J'ai le complexe. Complexe. J'ai le complexe. Est-ce que ça va chez vous? Est-ce que vous êtes chaud? Plutôt ce matin. Je me lâche. Allez! On s'en fout de tout, mais j'ai. Enfin, c'est un pro, mais non, je vois. Comment faire, comment lui faire voir ma planète artificielle.
Mais comment faire, comment lui dire, comment lui faire croire que je changerai bleu du ciel. Moi qui vis dans un monde virtuel. Je sais bien que tu finiras par te détendre. Toi qui préfères le pied sur terre. Mais je sais pas si tu finiras par te détendre. Aujourd'hui c'est la fête des nerfs. Moi qui vis dans un monde virtuel. Ouais, je vis dans un monde virtuel. Explorateur, exploratrice de la troisième dimension. N'ayez pas peur si je me glisse dans votre imagination. Votre imagination. Vas-y, Billy Shaw. Virtuel. Encore. Encore. On voit pas là. Virtuel. Explorateur, exploratrice de la troisième dimension. N'ayez pas peur si je me glisse dans votre imagination. Quel réveil! Salut! Est-ce que tu veux que je te coupe un petit bout de miche? Rapproche-toi un peu, Billy, parce qu'on t'entend pas bien là. Voilà. Attends. Tiens, je vais faire ça. Tiens, hop. Je prends la guitare rose. Ah oui. Pardon, j'ai. Alors, au-delà. Alors, regarde. Petite pensée aussi pour mes amis. Tiens, je vais garder ça. Tu vois pas quoi? Ah. Bonjour à Fabrice, Fanny, Catherine, Florence. Ouais, je voulais avoir une petite pensée aussi pour nos amis maliens, nos amis au Mali. Souvent à eux, je sais qu'ils sont en bonne santé. Et alors, on va faire une chanson de la Momalie. Petite pensée pour Fatoumata Diawara, pour toute la famille Sidiki, Toumani Diabaté et Bouba, tous les copains de la Momalie. Lorenz aussi, tiens, une pensée pour Brad, une pensée pour Pierre Juarez, toute la belle équipe, Gladys aussi. Allez. Cette chanson-là. Cette heure, t'en souviens-tu? Ce bel instant perdu d'un Paris qui n'est plus. Cette heure, t'en souviens-tu? L'odeur d'un matin nu dans ma lit dévêtu. T'en souviens-tu, se perdre dans les rues
dans un sens continu. Se taire, t'en souviens-tu? Souffler le soir venu vers ceux qui ne sont plus. Tourne pas chaque fois qu'une chose sifflait, un instant de ta vie est passé. Va et tu le retrouveras. Je m'en souviens comme un rêve qui m'étreint, toute leur chaleur détient la douceur de sa main. Bravo, chérie. Et je pensais d'ailleurs à David, à Saraf, qui aussi a contribué, enfin qui a vraiment énormément contribué à cette chanson au niveau de la mélodie, du texte. C'est beaucoup sa chanson. Et je pense fort à lui et à toute la famille aussi. Allez, petite pensée pour André, ton arrière-grand-mère. Ah oui, ça me fait penser d'ailleurs sincèrement à toutes les personnes voilà, qui sont peut-être loin de leur famille et à tous les grands-parents, les arrière-grands-parents. Tous ces gens vraiment exceptionnels qui ont beaucoup de choses à nous léguer, à nous transmettre. C'est toujours passionnant de parler avec ces gens-là. Donc j'ai une grande pensée d'amour pour vous tous. Solitaire, il est tard, j'allume une bougie au cœur du temple de ma nuit. Le son qui retentit me dit qu'elle est partie sur le Nil infini. En cet instant précis, si précis, si précis à toi. Elle a ouvert mes yeux, elle a fermé les siens. Je la revois soudain et comme par magie, au cœur de sa main, l'espace-temps rétrécit en cet instant précis. Si précis, si précis. Et soudain elle me dit, reprends son âme à l'arc-en-ciel et te donne entrée dans la terre comme des mal à l'univers. En clé de sol, ré sol do si. Je me suis endormie, j'ai trouvé la clé de la vie en cet instant précis. Si précis, si précis, toi. En cet instant précis. Si précis, si précis. Mais tu veux pas improviser un peu? Yeah.
Superbe. Tiens, viens ici, on va faire une chanson. Bonjour tout le monde. Hein? Ouais, ouais, ouais. Salut Delphine, Francine, voilà. Laurence, Thierry, Evolène. Ça, c'est rare, Evolène. Mmh. Alors, ça, c'est important aussi pour moi, pour nous. Plein de raisons. Pour plein de raisons. C'est déjà une chanson pour un des plus grands artistes qui nous a aussi quittés il y a pas longtemps. Alors, évidemment, on pense fort à Christophe. Je vais faire une chanson pour lui tout à l'heure. Là, mais là, je pense à mon maître, un de mes maîtres, Prince. Voilà, ça a été vraiment compliqué. C'est vrai que c'était. Il nous a quittés là, il y a. Dans cette période, en avril, évidemment. Je crois que c'était le 21 avril. Je pense à tous les fans de Prince, qui sont très nombreux, dont je fais partie. Je pense d'ailleurs à Marlon aussi, quand elle vient là. Et voilà, donc chanson. Chanson d'amour pour lui. Et en plus, la chance qu'on a, c'est que Billy va la chanter, ce qui est inédit. Et ça nous fait penser aussi beaucoup à Philippe, Philippe Zdar, voilà, qui a comme un frère, un parrain, un ami de la famille. Et c'est aussi pour lui cette chanson, parce que c'était une de ses chansons préférées, de Prince, je crois. On pense trop fort à lui aujourd'hui. Ouais. Et c'est vrai que c'est, comme d'hab, c'est une chanson donc francisée. Donc c'est la version française et interprétée un peu de une chanson extraordinaire de l'album Parade. Mais puisque j'arrive pas à parler en anglais, j'ai honte de mon accent, j'ose même pas dire le titre en anglais. Ok, on va essayer. Alors je vais me dire d'abord. Sans sa photo, son regard m'hypnotise. Alors qu'il est parti, soudain je réalise. Personne n'improvise comme le prince, puis personne. Je pleure toujours d'amour, jamais de douleur. Soudain il neige en avril. Soudain je me sens si mal, si mal. Même si je sais que ce prince est immortel, les plus belles choses sur terre sont éphémères. Printemps est pourtant ma saison préférée, celle des amours solaires sous la pluie. Inconsolable, il reste la mélodie de Purple Rain. Je chante toujours d'amour pour sauver. Si mal, si mal. Même si je sais que ce prince est immortel, les plus belles choses sur terre sont éphémères. C'est sûrement sa partie comme un prince sur une chanson d'amour qui ne finirait jamais. Super beau. Merci. Bon bah voilà, au revoir. Non, restez, restez là, bonne tiens. Journée. Restez là, restez là.
Comment va Isabelle, Sylvie, Valérie, Mickaël, Alexis? Alors regardez, j'ai un peu de thé. Tiens, allez, on va faire une petite chanson pour... Bon, là, vous ne les voyez pas, mais on est rejoint autour de la table par quelques personnes. On est très peu nombreux, évidemment. Mais on va faire ça. Allez, on va tous chanter ensemble, d'accord ? Quand je te revois, ma masse, je retrouve les vraies valeurs. Un si grand cœur, une si belle âme, qui ne se soucie jamais de l'heure. Quand je pense qu'elle est comme moi, issue de ce pays glacial, maintenant qu'elle vit au Kenya, seule africaine, occidentale. Non, je ne connais pas l'Afrique, à vous. Aigri est ma couleur de peau. La vie est une machine fouche. Tous les affreux n'ont pas la fouche. Lève, allez. Tous ces jeunes américanisés niquent de la tête ensemble. Hop. Génération très très marquée. Maman Saint mais constant. C'était pas cool faire l'amour est en danger pour l'humanité. Il est honteux d'afficher unique sur nos vêtements dégénérés. Non, je ne connais pas l'Afrique. Allez! Aigri est ma couleur de peau. La vie est une machine. Américanisé. Non, c'est pas ça, non. C'est ça. Mama Sam, cette fois, s'est décidé. Mais lui, de Paname, fera le plus grand bien. Et si ça se trouve, je ne reviendrai jamais. Je serai le plus blanc bec de tous les Africains. Non, je ne connais pas l'Afrique. Non, je ne connais pas l'Afrique. Aigri est ma couleur de peau. Aigri est ma couleur de peau. La vie est une machine africaine. Où les affreux n'ont pas d'afro. Non, je ne connais pas l'Afrique. Allez. Non, je ne connais pas l'Afrique. Aigri est ma couleur de peau. La vie est une machine africa. Allez, chauffez vos mains, allons-y là, j'adore. Vous voulez pas danser un peu là? Vous voulez pas vous mettre derrière et danser? Ce serait rigolo. Allez. Attends. Attendez, excusez-moi. Vous voulez pas? Missionnaire de la drague, je l'avoue. Le kick de tournée, espadrille à clous. Le craquet sur les sièges, le pendentif. J'ai la poupée d'Iti dans ma golf, j'ai dit. Elle était émotive en parlant de Jean-Yves, un amant incompris qu'elle quitta pour Henri. Eh oui, oui. Je me foutais de sa vie et surtout de son avis. Beaucoup moins de son envie, tu veux pas? Je reste en vie. C'est pourquoi, cocotte, je suis un machiste. Allez, danse!
Et je sais qu'elle m'adore. Non, 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 y'a pas d'erreur. Oh, Manchester. Je me brise ou ce qui casse. Mais je courtise avec classe. Je m'allume en Malibu. Malade, pas beau quand j'ai trop bu. Perque, ces magazines nous contaminent. Je préfère encore les fanzines. Pour la télé, y a pas photo. Je préfère Hervé qui fait l'idiot. Votre image demande à votre âge. C'est immonde de vivre sur le cul de ces individus. Ils n'ont pas plus à dire que Raoul se satire. Je suis un machiste, dans les dents. Da, à chaud. Et je sais qu'elle me... Da. Non, non, y a pas d'erreur. Ensemble, oh macho, macho, machistador, macho, macho, oh macho, macho, machistador, macho, macho, oh macho, macho, machistador, macho, 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 machistador, macho, 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 oh oui, c'est bon. Ah, bravo les filles. Et par contre, ferme. Ouais, c'est super. Vous êtes balèze. Vous êtes balèze. Il y a une salle d'avant. Ah ouais, ouais. C'est ça sent le fromage un peu, c'est vrai. Ouais. Au revoir tout le monde. Passez un bon dimanche. Merci beaucoup. Quelle ambiance. Bon, je vais calmer le jeu un peu. Alors, je vais faire juste une petite pensée. Une pensée pour Christophe. Parce que c'est vrai que c'est... Ça nous a touché profondément. Son départ. Et ça m'a fait même encore plus d'effet que ce que j'imaginais. J'y pense beaucoup, beaucoup. Et j'ai écouté beaucoup ses chansons, c'est incroyable. J'ai pris même conscience de la grandeur de l'artiste, je le savais, mais là, c'était au-delà de mes espérances. Et j'ai envie de lui faire et de faire à tous ses proches une chanson qui me touche beaucoup. Elle s'appelle « Comme un interdit ». Les jours de pluie, elle a changé ma vie morose pour un bouquet de fantaisie. Comme un interdit, elle joue ma vie comme un succès qui lui sourit à sa manière. Elle a chevauché mon ego, moi qui dormais dans ses silences. Je me réveille pour goûter à son sommeil. J'ai le sentiment d'avoir trouvé le cœur en apnée, un trésor qu'il faut de l'or. Sens, mille et une nuits perdues d'avance, mille et un jour perdu d'amour, moi qui rêvais la liberté d'un grand oiseau, allegro moderato. J'ai le sentiment d'avoir trouvé le cœur en apnée. Qu'il faut de l'or. Ma cavalière me fait tanguer entre ses bras.
m'abandonne sans interdit. Voilà pour Christophe. Allez, une petite dernière chanson, mes amis. Une chanson de papa. Une chanson de mon père que j'aime. Pensez pour toute la famille, évidemment. Les frères, les sœurs, mes oncles, mes tantes, mes cousines. C'est évidemment une chanson pour toujours qu'on m'a demandé de chanter. Je crois que c'est celle qui a été le plus demandée. Et c'est une bonne manière de penser encore une fois à vous tous et penser à, ben voilà, évidemment à tous les gens qui sauvent des vies chaque jour. Et penser à, voilà, aux gens qui s'aiment, parce que c'est comme ça qu'il va nous sauver. Ses amis, ses femmes qu'on affectionne, avec lesquelles on dort, on dîne, on parle au téléphone. Soudain, quand nos regards se croisent, c'est comme une chaleur. Mais de là, on fait des phrases, trop de pudeur. On dit jamais assez aux gens qu'on aime, par peur de les gêner, qu'on les aime. On leur dit jamais assez que sans eux, sans elles, on serait même pas la moitié. Pour ce petit brunch musical, c'est un grand bonheur d'être avec vous, vraiment. Merci Frédéric, Stéphanie, Annie, Nat, Letty. Merci à tous. C'est toujours un grand bonheur de vous retrouver. Parce que je vous ressens, hein. Sachez que je ressens vos ondes. Et donc c'est un rendez-vous assez incroyable. Donc voilà, on a fait le petit brunch aujourd'hui. N'hésitez pas à m'envoyer des vidéos, si vous êtes en pyjama, si vous êtes... aussi en train de bruncher en famille et tout ça, ça me touche toujours vachement de voir vos enfants, toutes les personnes qui ont envie de s'exprimer là-dessus. C'est toujours un bonheur pour moi, je les regarde avec joie. Je regarde pas tout évidemment, mais c'est toujours un grand, grand bonheur. Voilà. Donc j'étais en pyjama pour vous. Je vous ai
montrer mes beaux frigos jaunes. Et je vous embrasse très très fort. Quand je pose la guitare. Un petit thé. J'ai envie de vous remontrer cette petite miche qui me met en joie. Regardez. Parce que ça me rend fou. Oh là, il y a beaucoup de farine. Franchement. Donc c'est fait avec une farine ancienne. C'est un homme incroyable qui s'appelle Roland Feuillasse qui fait ce pain à Cucugnan. Et il m'envoie cette farine et on fait le pain. C'est vraiment un bonheur total. Donc on fait aussi notre petit jus de pomme maison bio. C'est dingue. On a beaucoup de chance. On va aller passer un très beau dimanche. Je vous embrasse fort. Et à très très bientôt.